Donc, du coup, si on passe dans la nouvelle position. Alors attends, moi j'aime bien regarder les fous en premier. Je sais pas comment tu t'y prends toi 960, mais première pièce que je regarde c'est les fous. Je sais pas pourquoi. Oui, bah bien sûr, mais de toute façon, enfin, après, moi, j'ai mon réflexe, c'est de regarder la position un peu comme elle est. Donc, oui, bien sûr, les fous, on voit les fous sur la grande diagonale déjà. Donc, c'est Fianchetto obligatoire. Ouais, donc B3 ou B4 apparemment là, ça va être joué. Ouais, Plutôt après, ça. t'es pas forcé, hein. Évidemment, B4 est très naturel. Ce qui se passe aussi, c'est que, bon, faut toujours regarder la symétrie. Donc, genre, alors, par exemple, après B4, B5, est-ce qu'on a du C4? C'est pas sûr du tout. Puisque je prendrais, j'aurais qu'à D6, voire D5. Mais après, B4, B5, ça peut aussi affaiblir un peu la position. Mais j'ai un peu peur que B4, B5 soit très dry, en fait. Donc, Et du coup, si je fais dame à 3 après? là, dans ma 3, mais tu veux faire quoi? Tu vas pas prendre A7. Tu sais, c'est toi qui m'as appris. Tu m'as appris un pion, c'est un pion. Moi, je suis tes conseils. Ouais, mais je vais jouer un truc genre cahier GF6. Bon, admettons, hein, je. Dame prend A7, fou D5. Et tu veux dire que je vais reperdre à 2? Ouais, et tu t'es pas développé, on va dire. Ouais, madame est un peu bête. Y a Naka qui a perdu une partie un peu comme ça hier. Ouais, contre Levan. Ouais. Non, mais du coup, moi, je suis plus tenté par. Parce que B4, tu peux le. Le problème, c'est qu'en fait, le truc qui est important à savoir, donc c'est que par exemple, dans la position de départ, quand tu joues E4-5, je veux dire aux échecs classiques, Ouais. là, tu vas avoir tout le temps la possibilité de jouer D4 à un moment ou à un autre. Et c'est ça qui te permet d'obtenir l'initiative. C'est que tu vas jouer D4 et ça va stopper le processus de symétrie, puisque D5 en retour ne va pas être possible. Ouais, comme dans les Italiennes, par exemple. Voilà. Les Italiennes, l'Écossaise même, bon, même si c'est peut-être pas terrible pour des problèmes concrets, etc. Donc là, par exemple, si on a les blancs, qu'on joue E4-5, par contre, bon, alors on va avoir du Kf3-D4, mais on se rend bien compte que le roi D1 risque d'être assez mal placé, même si, bon, okay, on ne sait jamais, on aura pu roquer à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc E4-5-D4, actuellement, n'est pas vraiment possible, puisque la dame ne supporte pas l'option D4. Ouais, le roi est mal placé pour ça. Ouais. Bon, ici, c'est peut-être un peu moins grave parce que E4-5 et F3, il n'y a pas de Kc6. Donc voilà. Donc c'est toujours comme ça, en fait, il faut essayer de voir comment rompre la symétrie. Bon, après, sur E4, il y a peut-être B6, c'est ça le problème aussi, c'est que là, tu attaques Et du coup, directement. t'as pas cavalier C3, quoi, toujours pareil. Voilà. Donc moi, le coup que j'envisagerais vraiment pas mal, c'est C4, en fait. C4, comme ça, sur C5, tu peux jouer B4, peut-être. Si on prend tour prend B4, ou un truc où tu commences par cahier D3 et tu vas jouer B4, mais d'une manière générale, tu romps la symétrie. C'est intéressant là tout ce que tu es en train de dire. Tu t'as compris ces choses-là tout seul ou tu t'es Non, en fait, renseigné? l'année dernière, j'ai joué le même format et j'ai analysé avec Levan qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et c'est lui qui t'a expliqué ça? Voilà, qui me disait qu'en général, la symétrie, c'était toujours le vrai challenge. Parce que bon, après, moi, quand j'ai les noirs, j'aime bien jouer asymétrique. Donc, du coup, sur B4, je ne suis pas du tout sûr de jouer B5. Je peux jouer B6, etc. Changer un peu la physionomie du truc. Mais tu veux dire que Mais tu c'est vois, en le... général, si on n'est pas précis, admettons qu'on joue D4 ici avec les blancs et que les noirs répondent D5. Alors, déjà, je ne suis pas sûr que D5 soit le meilleur coup. Mais bon, avec le fou en 1. Oui, enfin... L'impossibilité de jouer E4, alors peut-être que tu auras C4, mais bon, le cahier noir va arriver en D6, c'est pas non plus garanti. La dame noire qui va s'activer aussi bien que la dame blanche, on se dit qu'on a déjà perdu un peu l'initiative. C'est... Hyper intéressant quoi. Tiens, Donc j'ai jamais vu le honnêtement, truc comme ça. voilà, ouais, c'était intéressant de bosser avec Levan justement l'année dernière, parce que bah, il a beaucoup d'expérience simplement sur le format et du coup ça aide énormément. On est allé beaucoup plus vite sur certains points. Puis en plus après j'amenais ma petite folie, quoi, la petite touche de grob. Toi, du coup, t'es bon en 960? Je pense être pas mauvais. Après, je pense que Levan est meilleur. Et Magnus, quoi.
Ouais, Magnus, de toute façon, j'ai envie de te Ouais, dire. c'est peut-être que cette année, je joue pas le truc de championnat du monde, là. Ils t'ont pas Mais proposé? bien sûr que si, ils m'ont proposé, mais je suis mort. Ouais, t'enchaînes trop les tournois. Là, c'est quoi ton prochain Ouais. tournoi Du monde. Et ensuite, j'ai fait une pause sur tout le mois d'octobre, en fait. Ah, c'est une bonne nouvelle ça, parce qu'en fait quand tu fais des pauses, moi je fais des pauses aussi. Parce que du coup en fait avec Chesscom en fait on a décidé de couvrir la Coupe du Monde. Ouais. Mais en fait on couvre pas vraiment la Coupe du Monde. On couvre la Coupe du Monde tant que Maxime Vaché-Lagraffe joue en Coupe du Monde. Tu vois c'est... Ah ouais. Tu vois dans les mails, dans les échanges de mails, il y a écrit Kevin, you cover the World Cup while Maximum MVL is playing. Tu vois c'est... Donc du coup, notre destin est complètement lié, Maxime. Ouais, je vois ça. Du coup, il Mais... y a eu pas mal de C4. J'ai vu ça là. Mais je ne sais pas si Carona a joué B4 ou pas. Oui, il vient de jouer B4. Il a joué B4, ok. Et pourquoi il joue pas Garry? Ben, il réfléchit là pour le moment. Il semble qu'il réfléchisse. Mais donc toi, du coup, tu recommanderais B5 sur B4. Bah, donc il joue Kenny F6. Je disais, je recommanderais B5 dans le sens où c'est toujours un challenge de réfuter la symétrie. Maintenant que F6, c'est très honnête comme coup. Mais après, j'ai un peu peur que on laisse faire du C4. Là, c'est pour ça que j'aime bien B5, parce que si, à un moment. Là, C4, par exemple, pour les blancs, je trouve ça pas mal. En plus, il y a des petits problèmes avec IG5. Ah non, ok, E5, ok, E5, voilà. Ok, E5, D6, C4, fini. Enfin, fini. On se Donc il y a comprend. avantage, ouais. Menace C5, il y a le problème avec le pion F7. Alors, E8, C5, maintenant le x8 peut toujours se faire emprisonner, c'est-à-dire dès que tu vas jouer B6, tu vas prendre C6. Ah, G3, ouais, non, ça c'est impardonnable. G3 tempo, même si ça marche beaucoup, mais KE5, c'est. Tu dois avoir les sens en alerte en fait quand tu as le pion F7 qui est si Mais je vulnérable. comprends pas comment il a. Honnêtement, hein, cavalier E5, c'est vraiment. Tu vois, je le dis quand c'est des coups que je vois pas. Autant cavalier E5, cavalier D6, C4, je te jure, même moi j'y pense. Ouais, mais après, c'est C'est vrai que bon, logique. souvent il y a les réflexes qui sont un peu perdus. Je sais que Fabiano, par exemple, il a un problème avec le roque. Il sait pas qu'il peut roquer. Enfin, là, dans son dernier blitz, il a oublié qu'il pouvait roquer, ça terminait la partie tout de suite. Même s'il a gagné. Donc, du coup, il n'a pas encore ce déclic. Et là, je pense qu'il n'a pas eu le déclic du fait que le pion F7 était si exposé tout de suite. Et qu'après KE5, KD6, tu n'as pas de moyen de déloger le KE5. Donc, tu peux jouer C4 et c'est une boucherie. Ah, c'était une boucherie directe. Ouais, Aïe. il y a peut-être une défense hein, après, je ne sais pas. Mais ça... Ah, si, il y a une défense en fait, je suis bête. Mais bon. Je pense que ça va pas tenir. C'est un truc où en fait, tu laisses faire C5 et tu joues KE4. Mais bon, c'est impossible qu'il ait vu tout ça. Ouais, Enfin, surtout que tu auras peut-être du cahier des trois intermédiaires, tu enfin intermédiaire, ouais, et tu après, tu rock en fait. C'est pour ça que tu t'en sors peut-être, mais tu peux te prendre F3, KG5, H4, je ne sais pas. Donc, il va falloir évaluer le D6. Bon, ça devient compliqué. Ça devient jouable pour les noirs. Mais bon, de toute façon. Ça a l'air d'être une bonne position pour les blancs quand tu fais ça. Là, j'ai un Oui. peu peur qu'après G3, alors là, par exemple, tu joues B5 avec les noirs, fou G2, maintenant, il va falloir quand même s'occuper du problème, donc peut-être KD6, ou fou E7 d'abord, je ne sais pas. Peut-être pas KD6, parce que si tu te prends D3 E4, tu peux être moins bien. Ça, évidemment, c'est un grand classique. Tu peux jouer fou E7, par contre, sur quai E5, tu te prends pas l'étouffée, tu joues pour F8 au quai D6. Donc je montre un l'étouffer sur fou prend G2, il y a qu'il prend F7, mat. Donc tu fais tour F8. Mais quand tu fais tour F8, tu t'interdis le petit roque. Donc peut-être je peux te faire fou prend A8, tour prend A8 et cavalier GF3, 1 F3, non? Ouais, mais là je vais jouer Dame B7 D6 et je veux juste pas roquer en fait. Et Bon, ça te ça. dérange pas de jouer avec le roi au centre? Bon. Ouais, je pense que tu vas pouvoir un peu close la position, mais sur KE5, tu peux aussi jouer KD6 qui est peut-être plus sain comme coup. Mais bon, si je jouais des coussins, ça se saurait. Donc il a fait fou E7. Ouais, et là. Mais là C4 c'est hyper tentant donc quand même parce que du coup tu enfermes un peu le cavalier E8. Mais c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'à un moment, les Noirs vont bien finir par jouer B5. Alors après,
Oui, puisque en plus, oui, il y a ce paramètre-là, c'est dès que tu joues quai D6, tu te prends D3, même, tu n'as même pas besoin de jouer C5, tu joues quai C2, petit roque, et tu as juste l'anglaise parfaite. Avec le fou déjà en 1 qui tape, la dame en C1, tu es pas si mal placé. La tour en B1 qui est D5. bien. D5. Ouais, mais c'est peut-être pas idiot. Au moins sur cavalier E5, il fait cavalier D6, il tient le pion Ouais. F7. Non, ok, D5 qui D6. Oui, non, en fait, non. Tu te retrouves un peu dans une genre de réti double fianchetto. Non, c'est très honnête, en fait, quand même. Faut bien reconnaître. Et t'as été impressionné par le niveau de Gary hier soir quand même, qui, bon, même s'il rate les gains à la fin, qui en milieu de jeu a quand même de super restes, non? Ouais, mais ça, c'est pas surprenant qu'il ait de beaux restes, en fait. Il a de beaux restes, mais juste, il est pas. Il a plus les restes pratiques, par contre. Et du coup, il jouait lentement, il finit pas. Les calculs sont plus longs, plus sujets aux fautes, c'est normal. Après, oui, sur le. Ça se voit évidemment qu'il comprend le jeu, qu'il fait des trucs pas mal. Après, j'ai trouvé Fabiano aussi assez décevant. Enfin, je pense qu'il est capable de faire mieux. Et tu penses que Gary, il aurait quel niveau s'il s'était jamais arrêté? Tu penses qu'il serait encore aux alentours du niveau de Anand? Parce qu'Anand, il est quand même impressionnant. Tu vois, moi, j'étais vraiment sur le cul Non, quand je l'ai vu à la je pense single pas. field. C'est trop coûteux en énergie, en temps, ce qu'il fait. Mais enfin, ce qu'il faisait. Mais il continue à bosser, hein, attention. Ouais, il bosse encore les échecs. Il paraît qu'il joue encore sur Internet. Oui. Tu Il sais bosse s'il a un forcément, pseudo ou attendez. pas, sans donner d'informations, sans lâcher des infos, tu sais s'il joue encore sur des plateformes de jeu? Oh, c'est probable, ça, mais. Peut-être qu'il a déjà joué contre moi, il a dû se dire oui, maintenant les gens sont vraiment très cons, les joueurs d'échecs, j'arrête quoi. Enfin, je ne reviendrai jamais quoi. Il s'est pris Et. une barbe, il n'a pas compris. Non, mais du coup, là, il a une bonne position maintenant. Ouais. Bah D5 en fait, ouais, c'est vrai que de base on n'avait pas du Ouais. tout envie à cause du Après la fou. question, bah oui, mais non, sur C4, il pouvait jamais jouer D5, il se prenait qui E5, C5. Ouais, Fabiano qui a vraiment traîné à jouer C4. Ouais. Oui, puisque du coup, D5 a peut-être encore plus de sens en fait que B5 dans cette situation, parce que c'est bien. Du coup, c'est vrai que le cavalier n'est pas du tout dominé maintenant par les coups comme D3, puisque le pion D5 se charge un peu de la garde d'empêcher les E4, les C4. Avec le cavalier D6, ils font un travail d'équipe, du coup. Ouais. Est-ce qu'on peut voir les autres parties un peu? Voir où ça Alors, menait. ouais, c'est faisable. Bon, déjà, ce qui se passe chez Levan, ça a un peu plus de sens pour moi. Donc, déjà, B4 réponse D5 tempo. F4 quai D6, E3 B6 quai F3 E6. Alors on a une position un peu similaire. Alors là on se retrouve dans une bird, enfin dans un simili bird. Mais avec des coups qui font plus sens pour toi parce que Icaro a joué Ouais. D5 rapidement pour empêcher justement les C4. Ouais. Après, encore une fois, là, les cavaliers E4 pour les noirs auraient pu être tentants. Je ne sais pas si ça marche. Ça devait pas marcher parce que. Bon, les blancs ont un peu de marge sur quai D3, C5, c'est quand même affaiblissant. Tu peux même prendre, tout reprendre, dame prend, revint. Mais bon, ouais, j'aime bien la position d'Icaro. Là, faut voir, peut-être dame A3, c'est un peu too much. Il y a A5. Ah non, il n'y a pas. Si, il y a A5, pion prend, pion prend. Tour prend B8, dame prend B8. Attends, je vais montrer, hein. Ouais. Ouais, je vais vite, parce que j'essaye de voir un peu toutes les parties. Ouais, Mais, en fait, oui, toi, n'hésite pas à aller vite et puis tu nous dis où tu veux aller, quoi. ouais. Nous, on te suit, en fait, Alors, hein. Enfin, on pourquoi? essaye de te suivre. Je te dis, on te suit, mais on te suit pas du tout, en fait. Enfin, tu vois, on est, toi, t'es une Formule 1. Je dis souvent, tu vois. Et nous, moi, je suis en deux chevaux, j'arrive. Mais t'as des mecs dans le chat, ils ont même plus de jambes, tu vois. Ils sont qu'avec les bras, ils essayent de suivre. Il y a des mecs qui sont dans le mal, là. Bah, j'espère bien, c'est le but. Je le dis tout de On suite, n'a les jamais mecs. progressé sans souffrir. C'est vrai, mais bon, là, il y a des mecs, ils arrivent plus, quoi. Enfin, ils saignent des coudes. Enfin, tu vois, Ouais. ils crachent le sang, ils en peuvent plus. Ils rampent, tu vois, c'est ce qu'ils Ah, écrivent. ils ont fait comme Miguel Lopez, là. Une petite chute sous la grêle. Michael Lopez, c'est quoi cette histoire? C'est la Vuelta. Ah, la Vuelta, bah, je suis pas du tout. Ah, bah, moi je suis. Attends, je suis un vrai.
Je suis, ça m'arrive de suivre des années, mais cette année, je ne suis pas. Et donc, Lopez, qui était favori de la Vuelta, Pas forcément favori, un des parmi les favoris, favoris. mais il était devant, il avait fait le taf, il était en train de fausser compagnie à ses poursuivants et paf la chute. Ah, il a fait une Bon, Froome, quoi. sous la grêle, c'est toujours un peu. Ouais, c'est pas bon. C'est Ouais, pas bon. Et c'est qui du coup au Tour de France, ils ont neutralisé des étapes pour moins que ça, peut-être. Ouais, mais ils ont eu raison, n'empêche, hein, sans rigoler, de Oui, la non, la neutraliser. fois, ah oui, non, mais la fois où il te rend debout, oui, évidemment. Non, mais Les coureurs, ils ne comprenaient pas, mais tous ceux qui avaient la télé, ils comprenaient ce qui se ouais, ça passait. pouvait être un peu spécial s'ils allaient rouler là-bas. Ça pouvait être une autre compétition, un autre style en fait. Ouais, oui, non, mais puis aussi, Tu... ça aurait pu mal se finir. Ouais, sinon, ça peut vraiment mal se finir. Et du coup, qui est maillot rouge de la Vuelta? Là, c'est Quinta. Ah, Et il étonnant. enchaîne, il enchaîne. Étonnant, en enchaînant Tour de France, Vuelta, Aïe, c'est aïe, rare. aïe, glissade de Vesseline, attention. Revenons au direct. Allez, retour au direct. Donc on va chez Vesseline. Ouais. Oula. Il a pris Aïe. en 2-5, il s'est pris Kayev D5, et du coup, Kayev 3 est assez imparable. Alors attends, je suis en train juste d'arriver pour montrer aux gens comment c'est passé. Et cavalier E3 te semble imparable. Ouais, parce que si tu joues dame D2, là, tu te prends qui prend B5 avec échec. Ouais, la découverte. Donc ça, Oui, toujours, c'est la difficulté aussi du c'est la grosse difficulté, c'est que tu 960. as des thèmes dans les débuts de partie qui ne sont pas familiers, puisque voilà, tu as des fourchettes qui vont arriver bizarrement, tu as des découvertes qui vont arriver sans que tu t'en rendes compte à cause du placement de départ des pièces. Tu as le truc grand classique, quand tu as le fou en B8. Enfin, ou le fou en B1, que les noirs ont la tour en G8, Ki H8, fou F8, paf, tu joues C4, fou prend H7, et hop. Oui. Là, Tu tu vas joues prendre là-bas et tu gagnes la tour, ouais. ouais. Ça arrive, hein, n'empêche. Oui, ça arrive. Contre les joueurs pas expérimentés. Mais attends, est-ce qu'on peut pas faire un truc de fou initié après cavalier D5 et jouer cavalier C6 échec pour Topalov? Ouais, mais puis on prend E4, c'est pas bien. Ouais, bon, Puis c'est vrai on que prend je vais. B1, t'as pion de moins, Ouais, je vais t'es simplement genre limiter la E4, casse, ouais. on est faible, les noirs vont roquer à tout moment à l'aile roi. Oui, non, non, t'as raison. Donc, c'est mort Donc, pour Topalov. ouais, Tu veux c'est qu'on aille voir mort. Zvidler un petit coup? Ouais, ben voilà, ça c'est des échecs que je comprends. Le cavalier est arrivé en E5, et du coup, c'est ça, voilà, et E4. Et bon, c'est pas vraiment mieux pour les blancs, puisque les noirs n'ont rien fait de déraisonnable. Mais ils vont sans doute devoir un moment remballer leur cavalier D6, genre faire un fou G7, petit roque et E8, puis D6. Et les blancs sont un petit peu mieux, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grand-chose, mais Petit avantage d'espace. voilà. Bon, on retourne sur la légende. Allez, voyons comment ça se passe. Ah, mais ça bouge pas. Il s'est Une rien réplique. passé, écoute. Oh, mais ça, c'est voilà, c'est le problème. 6 minutes de réflexion sur cette position. Moi, je rajoute B6 il y a 10 minutes. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi une nouvelle manière de jouer des nouvelles générations par rapport aux anciennes, que vous jouez plus vite des coups finalement, comme de toute façon, l'évaluation de l'ordi entre deux coups, elle est assez minime si les coups sont bons. En fait, vous utilisez moins de temps Non, sur pas des coups comme ça. forcément, mais il faut être pratique. Donc au contraire, justement, il faut faire plus attention, notamment dans les ouvertures, mais aussi en plein milieu de partie, à des détails, à des ordres de coups. Donc au contraire, il faut faire attention à toutes ces petites bêtes. Parce que les joueurs sont plus précis qu'à l'époque, avec les ordis, machin. Mais par contre, parfois, oui, il y a des choix pratiques à faire, parce qu'on n'a pas. On a une quantité de temps limitée, surtout en rapide. Donc. Mais j'ai l'impression que vous arrivez mieux. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, Garry, j'ai l'impression qu'il sentait bien le moment critique dans sa carrière. Après, là, peut-être qu'il est aussi retraité, qu'il a Ouais, plus de mal. oui, Mais. c'est ça. Le plus important, c'est sentir le moment critique. C'est une des grosses forces de Magnus, par exemple. Après, bon, pour Gary aussi, il y a eu l'époque des parties qui duraient, bon, alors non seulement avec 4 jours de moins, mais avec aussi déjà, c'était 5 heures de jeu pour les 40 premiers coups. Et puis aussi,
il en a joué des rapides, mais pas tant que ça, et surtout des rapides d'entraînement. Des tournois comme on en fait toutes les, Ah, tous les 2 mois, avec 9 rapides, 18 blitz, ça forme la jeunesse. ouais, mais c'est un format qui existe depuis peu, hein, ce format des Grand Chess Tour. Avant, Ouais, bien c'était. sûr. On était content quand on avait un championnat du monde de Blitz et de rapide dans l'année. Et c'était le seul tournoi rapide et Blitz qui jouait, hein. Ouais, bien sûr. Bon, au moins, il a joué un bon coup. Il a réfléchi 7 minutes. Mais vraiment, c'est pas un mauvais coup. Donc, tu penses que. Comment les blancs, du coup, comment avec les blancs tu fais monter ta position ici? Parce que tu as besoin d'avancer tes pions, non, j'imagine? Ouais, mais bon, est-ce que tu veux faire monter ta position? Est-ce que tu as une bonne position? Parce que moi, j'ai un peu peur aussi. Moi, je prendrais et je jouerais D3 tout de suite. Hein. Parce que sinon, quand. Si tu joues D3 tout de suite, tu peux te prendre Kb 6. Alors, tu as peut-être C4, qui est le bémol. Mais j'avais un peu peur de me prendre F6 ensuite et de me retrouver avec le Ky en G4 ou un truc du genre. Ah, donc Mais par en fait, oui. 7-8. Mais du coup, D3 tout de suite est possible. Mais bon, en fait, de toute façon, tu prends, tu joues B6, tu joues F6 à un moment, E5. Pourquoi les blancs seraient mieux? C'est plus suspect qu'autre chose qui se passe quand même. Je veux dire, là, Ouais. tu. Ouais, la Peut-être position du des noirs est coup. assez élastique au final. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui montent facilement au centre. Voilà, c'est ça. Après, faut toujours faire gaffe au double fianchetto. En fait, ça, là, on retombe vraiment clairement dans une rétine. En fait, il n'y a rien de foufou qui se produit. Ouais, ça ressemble vraiment à une rétine double fianchetto. C'est tout à fait ça. Et donc là, tu penses que les noirs sont déjà un peu mieux? Ou en tout cas, c'est Non. eux qui peuvent. Non, mais les noirs sont confortables, ce qui est quand même. Plus que ce qu'on puisse en demander. Non, Redé double truc. tu veux qu'on. Donc du coup, peut-être tu veux qu'on tourne un petit peu si cette partie-là. Je sais pas, qu'est-ce qui te semble être l'autre partie où il peut y avoir du jeu intéressant et où ça peut un peu s'animer? Ah, mais Leeuwen-Naka, là, ça se goupille pas mal pour les noirs. C'est là. J'ai l'impression que les cahiers blancs sont bien dominés, là. Alors, bon, le cahier F3, pas trop, parce qu'heureusement, il y a eu F4. Mais le cahier D3, promesse d'avenir, cahier D4, pourquoi pas, hein, mais je vois pas de fil conducteur à ce que fait Levon alors. Moi j'aime bien aussi faire un peu le foufou, mettre les pièces un peu au centre et puis avoir l'impression que je vais faire quelque chose. Mais là tu joues fou 7 petit roque, t'obtiens quoi? T'as fait quoi? Tu joues pour quoi? Je sais pas. Fou 7 petit roque, dame D7 C5. Enfin, je sais pas, enfin, à un moment tu vas jouer C5 et juste tu vas être foutu. Ouais, tu vas chasser les cavaliers du centre, tu vas gagner des tempos. Au final, le cavalier, il aura rien de mieux à faire que de repartir en F3. Non, fou E7 roque, roque. Je sais pas ce que. Tu vois, la dame C1, elle a pas d'avenir. Le Ky D3, il a pas du tout d'avenir. Les pions B6, F6 font le taf. Et quand tu commences à te prendre C5, tu. Ouais, tu vas faire la gueule, hein. Ouais. Tu vas clairement faire la gueule, parce que tu vas te Là, prendre. le courant, il tape dans du vide. Ouais, le cavalier Non. H6, en fait, il est pas si mal placé. Il peut rebondir un jour vers F5 et il contrôle bien le jeu. Il contrôle la case G4 aussi. Ouais, les Ouais. positions noires beaucoup plus harmonieuses. Voilà. On nous dit que Aronian Levon a l'air d'être un mec assez marrant. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Et ces t-shirts de chat, du coup, ça vient d'où? C'est un délire ou. Oh, Moi, moi, j'aime ça. bien après, mais ça fait un peu bizarre parfois. Moi, je kiffe ces t-shirts, mais bon. Ah. Écoute, j'ai genre aussi beaucoup à redire sur ces chemises. Ouais, ils sont sympas chez les chemises, non? Ah, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais, Parfois, ça. c'est too much. Des fois, c'est un peu too much. Ouais, mais ça va bien avec le personnage. Oui, bien sûr. Oh, mais il est cool. Ça va bien avec le personnage. En tout cas, il a l'air très. C'est vrai que de l'extérieur, il a l'air très sympa, en tout cas. Est-ce que. Enfin, je sais pas si c'est tabou ou pas, mais est-ce que t'as des bons amis sur le circuit? Je parle pas des joueurs français ou de tes copains ou quoi, mais je veux dire des mecs de haut niveau avec qui tu peux t'appeler le week-end, genre pour raconter une histoire, un truc marrant, dans les mecs du top 10, top 15. Ou ça reste quand Oh, même alors. des relations de tournois, de collègues de. Pas de collègues de travail, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. De collègues. De bons collègues, mais pas plus, quoi.
Ouais, bah non, parce qu'après, souvent, on va plutôt traîner ensemble pendant les tournois. Après, ouais, le petit call le week-end, ça, je suis pas sûr, quand même. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde. Souvent, quand même, aussi, à un moment, quand on n'est pas en tournoi, on n'a pas forcément envie de revivre Peut-être comme ça, les il va mêmes joueurs avoir le en droit à tournoi. Et puis, l'appel de bon, la bien part du sûr, aussi. président de la Russie. Forcément, on va privilégier. Voilà, moi je suis avec les Français. Enfin, quand il y a des Français en tournoi, par exemple, je vais rester avec les Français. Fabiano, il va rester avec ses potes américains. Levan, il va rester avec ses potes arméniens. C'est normal, après, on s'entend bien de manière générale. D'accord, donc c'est vraiment des relations de collègues avec du respect et tout ce qui va avec, mais ça va pas non plus loin, quoi. Ouais, après. Dire à la fin du tournoi, on peut finir dans des bars ensemble, etc. Ça, c'est pas un souci, mais c'est vrai que bon, une fois le tournoi terminé, oui, ça redevient des collègues. Oui, non, mais après, c'est normal en tournoi. Ouais. Voilà, après, tu as fini le tournoi. C'est un genre de respect entre gladiateurs, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est un genre de respect en tant que gladiateur. C'est bien, mais ça va pas plus loin non plus, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que nous, de l'extérieur, on ne sait pas vraiment. On voit qu'il y a une bonne ambiance, si tu veux, mais on ne sait pas à quel point c'est une vraie bonne ambiance, que tu vois, ça peut aussi être une bonne ambiance de façade, et à quel point, du coup, ça avance. J'ai peut-être pensé à une idée pendant qu'on discutait pour Levon, tu vas me dire, tu vas peut-être me corriger. Mais peut-être B5, cavalier B4 et cavalier C6. Ouais, mais bon, on va pas laisser faire. B5, on va jouer KF5 quand même. Ouais, mais ça me permet d'échanger le cavalier D4. Ouais, mais d'un autre côté, t'as joué B5, bien sûr, j'ai pensé à B5. Mais bon, après, toi, t'es content, tu joues B4, B5, G4, G5, t'es le plus heureux du monde. Ben, bien sûr, ben, j'envoie mon pion de 2K, j'ai pris de l'espace, je suis très Ah, bien, t'es quoi. efficace. Non, bah, je suis pas convaincu, mais Ben, c'est après, oui, bon. je me tiens à mes pures considérations positionnelles, quoi. Je fais mon petit Vlad. Ouais, c'est insupportable ça. C'est insupportable. Vlad, c'est un dur. Ce coup n'appartient pas à cette position. Enfin, Ouais. il dit tout le temps ça en fait. Il est très heureux de dire ça. Non, Ouais. non, ça ne va pas quoi. Enfin, Et tu joues pourquoi? là, moi, je ferais G4 honnêtement. Ah, je suis obligé. Mais je te jure, Mais je ça jouerais veut dire vraiment c'est en le meilleur fait. coup de Stockfish? Mais non, il vient de changer d'avis. Mais cavalier F5, je suis pas convaincu, hein. Je préférais ton fou E7 roque pour jouer pour C5 personnellement. Ouais, mais après c'est très honnête la position noire est très honnête. Mais oui, mais G4, G5, tour G1. Bah, je suis très Dans heureux, la hein. tournoi, ensuite tu fais grand roque et puis tu fais attaque de mat. Bah, c'est une grove améliorée, hein. Ouais. Tout est une grobe améliorée en même temps. Ouais, d'un certain côté, c'est vrai. Même D4, KF6, G4, c'est une grobe améliorée. Ouais, mais t'as pas l'esprit avec toi. Ah, j'ai pas l'esprit. Oh, attends, j'envoie un pion dans le désert. Ouais, mais c'est un esprit de la grove, mais moindre, tu vois. C'est un esprit de la grove un peu fatigué qui dit oui, bon, je suis arrivé simplement au deuxième coup, tu vois. G4 direct, l'esprit de la grove te remercie. Il fait Quel déjouer ton adversaire. tacticien, quel tacticien. B5. Alors attends, t'es sur quelle partie? Fabi. Alors, on retourne sur Fabi. Ah, il a fait B5. Attends. B6, B5. Et sur cavalier prend D5, du coup. Bah je te laisse donner le coup quand même. Dame B2. Voilà. Eh, t'essayes de me mettre sous pression, tu fais comme Vlad. Surtout, il aime ça. Surtout, il Fais aime comme ça. Vlad. C'est ça ce qui est le plus important. Vlad, il met toujours sous pression, quoi. Il me dit, oui, tu vas sûrement trouver, je ne te donne jamais de questions trop difficiles, mais Ah bon. oui, voilà, j'ai essayé de ne pas trouver trop difficile. Je pense que Non, mais là-dessus. là t'as été sympa, là t'as été sympa. Avec Vlad, C'est ça franchement, j'ai qu'il va peur. trouver. Non, avec Vlad, franchement, j'ai peur. Parfois, c'est chaud. Parfois, c'est chaud. Là, ça va, je trouve. C'est du puzzle rush niveau 1, ça. D'ailleurs, t'as eu le temps d'améliorer ton record à puzzle rush? Non, je suis toujours à 57. Ah, t'as pas trop eu le temps de. Ouais, j'y touche plus trop là ces derniers temps. Et tu vas te remettre un peu à streamer en octobre, du coup, après, quand tu auras un peu de temps libre, ou trop d'échecs, trop d'échéances importantes, et du coup, J'essaierai d'en tu. faire un peu. Après, ouais, c'est sûr que
Ça dépendra. Si je suis qualifié après la Coupe du Monde, là, ça va être festival. Là, je pourrais y aller. Mais sinon, ça va être chaud. Je devrais consacrer quand même pas mal de temps à la prépa pour ensuite les Grands Prix finaux. Ouais, ils en plus, il t'en reste deux et fondamentalement, tu pourrais théoriquement te qualifier directement à Hambourg, mais j'imagine que dans tous les cas, tu joueras à Fontaine-la-Vive aussi pour éviter les mauvaises surprises. Bah non, si, enfin, si, enfin, à fond. De toute façon, dans tous les cas, je jouerai à fond. Mais si par exemple je gagne Hambourg, là, ça m'assure la qualif à 100%, je pense. Ouais, tu devrais être qualifié. Si tu gagnes Hambourg, tu devrais être bien. Ouais. Bon, ouais. Admettons que je sois qualifié mathématiquement, qu'il n'y ait plus aucune surprise possible. Bah, dans ce cas, oui, je ne vais pas me préparer de la même façon et je vais jouer ensuite les matchs de façon beaucoup plus, pas folklorique non plus, mais Plus tranquille. voilà, plus tranquille, sans avoir les prépas, sans avoir évidemment la tension. Donc après, ça peut jouer en ma faveur comme en ma défaveur. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde, ton tableau, tu le trouves, moi j'ai un petit peu regardé, je le trouvais sympathique. Je ne trouve pas dégueu après. Bah après, c'est difficile, hein, enfin, tout. Voilà, de toute façon, ce qui se passe, c'est que les tableaux de départ sont pas forcément ceux de l'arrivée, puisque pas beaucoup de monde aurait pu prédire, par exemple, que Magnus allait perdre contre Bou, et que du coup, ensuite, alors, j'ai pas joué Bou en quart de finale, mais j'ai joué Peter, qui est par ailleurs un très sérieux client, en fait. Je crois que Peter et moi, on est ceux qui allons le plus souvent au moins en quart. Ouais, mais j'ai l'impression que contre Peter, t'as un petit peu la recette, non? Oui, ça peut arriver, ces trucs-là, d'avoir des joueurs contre qui ça se passe mieux que contre d'autres. Après, j'avais la recette, mais le match était quand même très tendu. Donc, bon, évidemment, pas aussi tendu que celui contre Sacha, qui était juste le meilleur match du tournoi. Ah, il était épique ce match. Il était épique. Il était Ouais. épique. Mais donc là, dans le tableau, normalement, ouais, Zwidler, tu dois le retrouver au quatrième tour, je crois, au troisième, quatrième tour. Quatrième, peut-être, ouais. Mais Ouais. bon. Ouais, quatrième tour, c'est loin de toute façon. Voilà, hein. Déjà, même le troisième tour, c'est loin pour pas mal de monde. C'est-à-dire, par exemple, Jakobenko, s'il gagne son premier tour, qui n'est pas non plus si évident, il joue Gawain Jones, si celui-ci a gagné son premier tour. Bon, moi, par ailleurs, je vois. Bon, alors, le premier tour, pour le coup, on ne sait jamais, il faut toujours faire attention, mais là, c'est vrai que. Et tu joues contre un joueur classé 2250, je crois. Voilà, bon, je ne vais pas prendre le match à la légère, clairement, mais oui, je dois me qualifier. Ensuite, le deuxième tour, c'est le vainqueur de Lupulescu-Kovalenko. C'est jamais. Ouais, Et en Kovalenko, il peut être Elite 8, en dangereux troisième déjà. tour, j'avais joué Lenderman qui avait éliminé, je crois, Ilianov ou un truc du genre. Ouais. Donc voilà, c'est. Après, c'est toujours pareil, il suffit qu'il soit solide, tu fais deux nuls en longue et après en rapide, même si tu es au-dessus, tout peut arriver. En fait, contre des joueurs à 2006-30, 2006-40, Ouais. tu peux pas être. Enfin, c'est pas du 100%, quoi, effectivement. Ouais. Et après, ouais, après tu jouerais théoriquement Yakovenko s'il se qualifie. Et Yakovenko, c'est déjà un vrai client. Bien sûr. De toute façon, au troisième tour, tu as soit un client, soit quelqu'un qui a éliminé un client. Ouais, dans tous les cas. Et tiens, une autre question que je me posais quand je regardais le tableau, contre le joueur au premier tour, si tu mènes 1-0, comme il est classé 22-50, est-ce que dans la partie 2, s'il donne une nulle rapide, tu prends en disant ça me qualifie, je vais me reposer et je vais plus loin? Ou quand même, à ton niveau, quand tu as un elo aussi stratosphérique que ça, tu veux pas laisser filer 5 points elo? Ça dépend des situations, bien sûr. Bon, Si imaginons qu'il te fait. j'ai les blancs, je pense que je vais quand même jouer. Si j'ai les noirs, ça dépendra de l'ouverture, quoi. Si je sens que je vais m'embêter pour pas grand-chose, et je vais pas forcer mon destin, et après les points élo, ça va, ça vient, hein. Donc là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas la première place mondiale, il n'y a pas la deuxième place mondiale, je joue pour rien, je ne joue pas la qualif Elo non plus. Donc, Donc là, dans ces cas-là, tu décides de garder ton énergie, d'aller te reposer, de. bon, après, ça dépend. Hein. Pas non plus. Enfin, je ne donne pas non plus la nuit sur un plateau d'argent.
Non, et tu vois, je me disais, si un jour je te rencontre au premier tour de la Coupe du Monde, est-ce que j'ai intérêt à proposer nul au premier coup, tu vois? Dans la deuxième partie, en admettant que je perde la première. Mais bon, non, faut que je te fasse une grobe et que j'essaye de te battre, hein, après, j'ai pas le choix, quoi. Ouais. T'as pas le choix, hein. Faut rester fidèle à ses principes. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, tu jouais, c'est un joueur, un ressortissant africain, je crois, non? Tu joues au premier Ouais, tour du nigérian. Ouais. Nigeria, ouais. Il est jeune en plus. Il est né en 95 ou 97, je sais plus. Ouais, donc il peut carrément être sous-classé le mec après, hein. Oui, non, bah là, je dois avouer que j'ai pas regardé ces parties, mais je vais me préparer. Il y a Tokras qui te demande quand est-ce que tu vas contacter Vlad finalement. Il te fait des sourires. C'est fou quoi. Mais Vlad, en fait, d'où Vlad est devenu une telle légende quoi, en fait. C'est peut-être nous qui avons fait de cette personne un monstre, en fait. Qui a C'est maintenant ça. une réputation qui n'est plus à faire. D'ailleurs, faut que je t'envoie le lien du. Faut que j'y pense, faut que je t'envoie le lien, je l'ai mis en ligne aujourd'hui, du truc sur le pion isolé. Ah ouais, bah, je verrai ça peut-être si j'ai le temps, mais Ah non, là. mais t'es pas obligé de le regarder. Ah ouais, moi je me suis promis de pas toucher aux Ah échecs. non, mais enfin, on s'en fout complètement. Tu peux ne pas le regarder, mais tu l'as, tu vois, au moins. Je l'ai. Tu l'as. Tu l'as. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Bah, le mouton, y a un mouton qui est parti en A4. Ouais, mais non, bah là, Gary a une très très belle position. C'est D4-5. Tu sais, c'est comme bah là, tu te retrouves dans les genres de. Attends, c'était quoi? Ouais, c'est dans les Benoni qui ont mal tourné pour les blancs. Alors, déjà, tu as le fou en A8. Enfin, pour les blancs, enfin, normalement, Oui, il y c'est pour a les la bleus. couleur inversée, ouais. Ouais, là, tu as le fou en A8 qui est très bien placé une fois que tu as joué D4-5, mais surtout le fou A1, où est-ce qu'il va? Et C'est un tu peu vas jouer un. A8, tu vas même jouer à prendre B6 et tu vas faire quoi? C'est un peu un fou Nakamura, non? Ouais, l'un des 4-5, juste ses gros avantages. Alors, il y a Tokras, donc c'est Mathieu Cornette, dans le chat qui demande si D prend C4 et E5, c'est con. En C'est gros, pas c'est con. la question. C'est pas con. Et C'est du pas coup, con. il disait qu'il parlait peut-être de lui pour être secondant, hein, je te le dis tout de suite. Il se fait carrément sa pub, tu vois. C'est même plus des appels du pied, quoi. C'est Maxime, regarde-moi, s'il te plaît, je suis là, quoi. Bon, peu importe. Mais DC E5, c'est Ouais, pas mal. c'est fort. C'est fort. Mais tu préfères quand même D4. Bah, D4, c'est le coup naturel, mais objectivement, c'est peut-être pas le meilleur, parce que pion prend E5, je suis dame E6, ça a l'air pas mal. Et de toute façon, tu as la même idée que le fou A1 se retrouve. Mais oui, D4, Peut-être un comme c'est ça, l'avantage long il terme, va en fait. avoir le D-prend droit à C4, faut l'appel de faire la un part peu du attention président de ensuite, la puisque Russie. le fou E7 n'est pas forcément génial non plus. Donc, si tu joues D-prend C4, faut prouver que tu as la faiblesse du pion C4, en fait. Ok. Là, après D4-5, tu sais que t'es mieux, tu joues ta partie et c'est assez facile. Donc, du coup, c'est pas si grave qu'il ait plus beaucoup de temps. Est-ce que tu considères qu'il a pris trop de temps là encore, Gary, pour jouer ce coup D4? Parce que toi, t'as eu l'air d'être très, très Enfin, direct une et. dernière D-prend C4, hein, on va pas se mentir. Aussi, ça j'en ai pas parlé, mais il y a E4 qui est un coup, clairement. Mais là, je pensais que c'était de toute façon mieux pour les noirs, parce que tu vas jouer E5. Et dès que les blancs bougent le cavalier F3, tu vas pouvoir jouer F5. Ouais, Là, tu joues E5, tour BE8, tu sous D8, tu fais ce que tu veux, tu fais ta. Le cavalier D6 est idéalement placé pour soutenir F5, puisque déjà ça protège F5, mais aussi ça protège E4, enfin ça contrôle E4. ouais. Et du coup, dès que tu joues F5, E5, paf, t'as le cavalier D6 qui empêche les cavaliers E4, enfin, qui les rend moins forts. Ouais, non, c'est fort. C'est hyper fort là de faire E5 F5. Ouais, Gary qui pourrait jouer un poil plus vite quand même. Il va se mettre mal au temps et il va faire comme hier. Ouais, bah oui. Alors attends, on me demande ce que je conseille de faire à part se développer et roquer rapidement quand on tourne autour de 1000. Bah contrôler le centre aussi, mais en gros c'est ce que tu dois faire au début. Et t'entraîner aux tactiques, genre à Puzzle Rush. Peut-être pas pour faire autant de scores que Maxime, mais pour essayer de voir les Bon, ça tactiques y est, rapidement. on retombe dans tes travers, dans la pédagogie. Ouais, tu veux dire de contrôler le centre et tout? Ouais. Ouais, mais je sais, mais bon. Je suis obligé de faire gaffe avec les joueurs débutants, quoi. Après, tu peux passer aux faux échecs, mais. Je suis pas sûr qu'ils comprennent le second degré, tu vois, dans ces cas-là.
Ah, ouais. Donc, tu peux désinformer. Tu sais que ça m'arrive encore assez souvent, encore aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui m'écrivent, ouais, Kev, pourquoi tu dis que la Russie c'est interdit? Il y a un arbitre qui m'a dit que c'était légal et tout. T'as encore des gens qui m'écrivent pour me dire ça, peut-être une ou deux fois par mois. Que ce soit sur Facebook ou en commentaire Aïe, aïe, d'anciennes vidéos. C'est fou, hein? aïe. C'est fou qu'ils réfléchissent encore 2 minutes là, même Gary. En plus, je sais que à sa grande époque, là, ce genre de plan, il le joue, il regarde pas l'échiquier, quoi. Ah, il joue tempo, ouais. Mais tu penses que c'est la confiance? Ou c'est la pratique? C'est Genre, la pratique, c'est surtout. pratique. Ouais, c'est marrant parce que 5F5, là, enfin, j'ai envie de dire, même moi, autant D4, tu vois, j'aurais eu du mal à comprendre. J'aurais peut-être même pas forcément compris. J'aurais peut-être plutôt parti pour DCE5, Dame E6 parce que j'aurais vu le pion C4 et je serais pas allé chercher plus loin. Mais D4, une fois que j'ai cette position-là après E4, en fait, 5F5, c'est pour moi, c'est aussi hyper naturel. Ah bah oui, ça c'est... J'ai pas inventé l'eau chaude non plus là. Non, 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 mais autant, tu vois, quand tu dis D4 tempo, tu vois le truc avec E5 et tout de suite avec le x1, la vitesse à laquelle tu le vois, bon, ok, c'est. On voit que t'es un mec de très très haut niveau. Clairement, autant là, E5, F5, oui, bon, enfin, ok, c'est juste le premier truc qui me vient à l'esprit. Oui, bien sûr. Donc, là, si on revient sur la partie de l'Evan, parce que là, il se passe quand même des petites choses, j'ai l'impression que les noirs sont pas mal. Au risque de me répéter, hein. Donc il a fait G4, enfin il a fait exactement ce qu'on avait prévu. Ouais. Et là, le carreau a bien réagi. Et alors, en plus, je crois qu'il menace Grand Roque. Enfin, je suis pas sûr, parce qu'il y aura peut-être Kay C5 sur Grand Roque. Mais Eh mon ben. idée, c'est peut-être si tu joues dame prend 7, Kay B5, dame A4, Kay C3, échec. Ouais, attends, je vais essayer de montrer. Son grand roque qui permettrait de développer les pièces. Et sur dame prend Kay B5, toutes les cases sont contrôlées, sauf A4, et là il y a cavalier C3 échec et dame prend A4. Mais sur Grand Roque, il y a peut-être Kay C5 qui a l'air fort. Pion prend, pion prend. Ah, encore que Kay C4. Dame prend 7, dame C6. Bon, mais on peut peut-être jouer un coup avec les blancs. Est-ce qu'on peut faire tour G7 ici? C'est ce qui a été joué. Ah, c'est ce qu'il vient de jouer, ouais, exactement. Bon, déjà qu'il y a F5, ça semble naturel. C'est vrai que Là. sur cavalier F5, j'étais quasiment obligé de refaire tour G1, non? Ah, mais sur cavalier F5, il y avait peut-être dame prend A7. Roi C8. Ah. Et tu vas toujours un coup plus loin. Ensuite, je menace tour A8, donc je déconseille. En fait, c'est souvent ces pions en H7, H7. Souvent, tu as l'impression qu'ils sont prenables par la dame. Ouais, Et en puis, par exemple, réalité. quand tu as la tour en G8, Kay H8, tu prends Kay G6, dame H5, tour H8. Après, tu vois flou. Parce que tu te reprends le pion H2 derrière. Et Ouais, il y tu avait perds des beaucoup de parties temps. comme ça l'année dernière, en fait, où on prenait un pion. Et l'ordi disait, tu sacrifies juste le pion, tu développes ton centre, et puis tu vois flou. Alors, est-ce qu'on peut jouer ici cavalier C5 quand même? Après KF5? Après dame Ah, E8. il a joué dame E8. Ah, il a dû se dire KF5, peut-être dame tour F7. Possible, ouais. Mais dame E8, je sais pas. Cavalier C5, ça me tente vraiment. Kay C5, puis on prend. Puis on prend. Kay F5. Dame prend A7, c'est ça? Kay Cavalier prend G... F5. Ouais, dame prend A7, c'était l'idée, ouais. Ah, ça devient intéressant, presque intéressant. Alors attends. Une grosse feignasse. Prise, prise. Bon, déjà, Kay C8, je suis pas sûr de ce que tu as, mais je suis un peu cloué. Donc, je joue Kay F5. Ah. KF5 fait dame prend A7. Non, intervention de Stockfish, tour G8. Attends, tour G8 à quel moment? Après, pion prend C5. Pion prend C5, pion prend C5. Ah, tour G8, ah c'est sale ça. Ah, c'est très sale. Ça c'est très sale. Je vais montrer pour le chat. Tour prend G8, dame prend G8, puis on prend D6, dame G1. Fou F1, dame prend F1 mat. Le fameux mat du couloir. Mais plus que trouvable pour un humain, hein, c'est pas une variante. Oui, c'est pas très bon. C'est pas une variante En plus, introuvable. là-dedans, du coup, dame E8, il veut jouer tour G8 au prochain coup en plus.
Moi, je pensais à KF5, tu vois, tu renvoies la tour en G1. Mais non, il veut juste jouer tour G8 et Ouais, garder venir un mater en dessus. G1, ouais. Ouais, c'est joli. Il y a Bichou qui nous demande comment s'est passé le match de MVL contre Wei. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Ça s'est très très bien passé. J'étais mené de 4 points après cette partie. J'étais très content. Et ensuite, bah, il faut regarder le replay. Ouais, ça c'est bien, on fait de la pub pour le replay Vraiment. qui sera en ligne demain sur la chaîne de YouTube de Chesca France, du coup. Ouais, mais c'est en ligne sur Twitch, non, Oui, déjà. et sur Twitch, oui, d'ailleurs. C'est déjà en ligne sur Twitch, ouais. Sur la chaîne de Chesscom France aussi. Donc, Dame E8. Ouais, donc il est vraiment bien, Icaro, avec cette idée de tour G8. Il peut peut-être faire grand roque avec les blancs, du coup. Ouais, mais Grand Roc, tu vas commencer à prendre les A5 à tout moment. Parce que Donc j'ai plus. A5, et là, tu as le choix entre tour A8 et C4. Ouais, non, ça fait mal. C'est pour ça que ouais, c'est toujours le problème d'être un peu aventureux. Et en plus, Steven, il dirait un peu gauss, tu vois, le pion. Alors, le pion E, le pion D, il faut les développer. Faut pas laisser, faut laisser des cases de fuite. Donc, il faut le pion en D3. Ouais, non, c'est vrai qu'il a fait Il des trous. contredit tous ses propres principes, c'est ça. Ouais, il a fait plein de trous de partout sur les ailes. En fait, c'est vraiment comme les grobes. Il n'a pas Ouais. touché le centre et après tu te fais rentrer de partout. Ah, il va peut-être perdre une partie rapide. Mais bon, après, il a l'avantage dans le match. Il fait grand roque, justement. Il fait grand roc. Alors, est-ce qu'on a la 5? Après, est-ce qu'il avait mieux? Pas sûr, parce que tour G8 était de toute façon une grosse menace. Et là, du coup, sur tour G8, au moins il a tour DG1. C'est pour ça qu'il y a du jeu comme ça. Puis on prend tour A8, ouais, ça a l'air pas mal pour les noirs. Peut-être pas dramatique, dramatique. Mais ça a quand même l'air costaud, quoi, ensuite. Mais bon, peut-être qu'il va se créer du contre-jeu sur la colonne G, c'est sur ça qu'il fonde ses espoirs. Comme il peut. Ouais, non, c'est dur pour les blancs, mais bon, c'est vrai que B5, ABA, tour A8, peut-être tu peux un jour jouer sur le roi, enfin faible. Je sais pas, peut-être un jour, je voulais essayer de faire marcher du Comment ça, fou. le roi noir va être faible? Il est très bien au centre. Ouais, mais je voulais essayer de jouer un truc avec du fou pro F6, mais je réussis pas à le faire marcher. Dame C3, dame prend F6. Ouais, mais oui. En fait, tu aurais faire Dame C3 et fou prend F6, mais t'arrives pas à faire marcher et. Il a fait quoi, Icaro? Il a fait cavalier F5. Ah bah c'est très honnête, sur dame prend C3, C8, comme d'hab, et sur tour G1, A5. Et en plus, comme ça, il s'évite tout contre-jeu sur la colonne G, le KF5 est bien placé. Et puis il a le clouage maintenant Il va sur. la gagner celle-là quand même. En plus, il a 13 minutes d'avance à la pendule. Ouais, non, c'est mort. Allez, petit tour. Ah, il a joué. Il a jamais joué Tu veux qu'on aille sur quelle partie? la partie de gain. Il a joué A5. Il n'a pas voulu laisser faire A5. Alors attends. Pourquoi pas? Mais bon. Mais bon, là encore, ça va, parce que E5, F4, j'imagine, il va prendre jouer F5, un truc du genre, il va être mieux. J'aurais pas. Je suis pas sûr. E5, F4, je suis pas sûr que ce soit si bien pour les noirs. Mais c'est marrant qu'il ait autant tergiversé qu'il n'ait pas voulu laisser faire A5. Ça paraissait quand même assez insignifiant A5. Puis on prend B6, puis on prend B6 et il n'y avait rien quoi. Ouais, mais ça, après, je peux comprendre. C'est-à-dire, si tu réussis à retirer le seul contre-jeu qu'ont les blancs, tu t'en prives pas. Il a fait F5 du coup et Dame E1. Non, mais je comprends pas, t'as E5 qui était possible. Il a joué Dernière, tempo, hein. maintenant E5. Maintenant E5 et on retombe dans ce que tu voulais Ouais, jouer tout à l'heure. je comprends pas. Je comprends pas. Mais attends, E5 il veut peut-être faire pion prend, F5. On prend G2, on reprend dame prend F5. Cavalier F6. E4. Dame F3 échec, dame prend D3. Ok, fin de la variante. Non, t'as peut-être F3 et KE. Ah ben non, t'as pas F3, t'as pion D3 en prise. Ouais, Dame non, t'as raison. E2, fou G5, KE4, mais bon, t'as le fou en A1 qui est toujours très mal placé. Ah, l'idée c'est d'essayer d'échanger et de tenir la finale malgré le Ouais, pion je comprends dépassé. bien, mais
Pourquoi? Ben pour ouais, pour faire quelque enfin pour essayer de comprendre déjà l'idée de dame E1 et pour faire quelque chose quoi. Mais pourquoi il la met pas en E2 d'ailleurs la dame? Pourquoi en E1? Parce qu'elle vient de C1, donc. Ah oui, elle vient de C1, pardon. Enfin, j'ai tellement l'habitude des échecs normaux que dans la position de base, ça, tu penses qu'elle vient de D1. Est-ce que les échecs sont normaux de base? Non. Non, non, mais bon. Les échecs habituels. Mais 960, c'est vraiment génial. Moi, j'espère vraiment que le jeu prenne en popularité. Je trouve que c'est tellement intéressant de regarder. Alors, d'un côté, c'est très intéressant. Je pense aussi que c'est très compliqué pour Pour les déjà amateurs. pour nous, mais pour tout le public. C'est ça le. Alors moi, tu vois, je me passionne sur les petites nuances, là, sur quel est le premier coup qui va donner les meilleures chances. Mais bon, pour pas mal de monde, c'est juste du chinois. Donc c'est à double tranchant. Mais évidemment, je pense que ça va quand même se développer à terme et être. Il y aura des plus de tournois en tout cas, mais c'est ce que disait Levon. J'ai vu une interview il y a pas longtemps où il disait que le 960 pour lui c'était la forme la plus intéressante, mais que le problème c'est que pour les amateurs c'était vraiment trop compliqué à suivre. C'est fun en fait pour les joueurs et pour les joueurs d'un certain niveau, mais pour la majorité des spectateurs c'est trop compliqué. D'ailleurs, moi je le vois sur Twitch quand il y a du 960. Tu perds tout de suite 25-30% d'audience. Parce que les gens, ils se disent, ouais, c'est du 960, je vais rien apprendre, c'est trop compliqué. Et du coup, ils se barrent. Alors que pour des joueurs aguerris, au contraire, c'est hyper intéressant, ça permet de voir des nouvelles choses. Là, il compare ça à la découverte d'exoplanètes. C'est une Pourquoi métaphore pas? comme une autre, quoi. Tu vois, t'as François Jacques qui dit qu'il trouve que c'est sympa à suivre le 960, mais il joue à plus de 2000, hein, François Jacques. Donc c'est toujours pareil. Bah oui. C'est toujours pareil. Il y Beaucoup a. trop fort 2000 points. Bah 2000, oui, t'es plus amateur déjà. Hein. Du coup, t'es un amateur très, très, très confirmé. On nous demande ce que ça vaut F4 ici pour les blancs. F4, j'aime pas spécialement, parce que en fait, souvent. En fait, je vais juste te dire un mot, le foie. Ouais, donc la position va s'ouvrir et le fou E7 à terme, il va dominer le foie. Que le foie, hein, il faudra deux coups pour revenir en jeu, c'est énorme. Ouais, t'auras pas le temps de le remettre. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais peut-être y aller, parce que j'ai Ok. pas encore mangé. Ok, Maxime, bah écoute, on te dit un grand, 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 grand merci au nom de moi-même et toute la communauté d'être venu nous voir. Je vais être meilleur hein, quand je suis en vie, je me permets de faire un petit saut de temps en temps. Bah écoute, ça fait plaisir. Je vais me permettre de mettre un lien vers ton Twitch et de recommander à tout le monde d'aller mettre un petit follow. Du coup. Ça mange pas de pain. Ouais, MVL twitch.tv/slash MVLchess. On souhaite que tu te qualifies rapidement à la Coupe du Monde. Enfin, que tu te qualifies rapidement pour les candidats via la Coupe du Monde, histoire que tu puisses streamer. Et on espère te revoir du coup aux échecs dans les premières places, mais aussi sur Twitch. Yes, ça roule. Merci Maxime, à Yes, bientôt. à bientôt, ciao. Ciao, ciao, merci encore. Ciao. Donc, les mecs, on perd Maxime, mais franchement, c'était un plaisir, un grand plaisir de l'avoir en notre compagnie. C'est vraiment un joueur d'exception et on voit que derrière le champion, il y a aussi un homme et un cœur qui bat, j'ai envie de dire. Et vraiment, on voit toute la gentillesse du personnage. Et ça fait vraiment plaisir. On a vraiment, vraiment de la chance en France d'avoir une telle locomotive des échecs français qui, non seulement a un niveau de dingue et qu'on espère voir aux candidats, voire plus, et en plus, non seulement il lit le niveau aux échecs avec une sympathie qui ne fait que le grandir, j'ai envie de dire. Est-ce que j'aurais bien quelque chose quand il vient ou il vient que par plaisir? Non. Des gens d'une qualité comme Maxime. Tu ne peux pas les rémunérer quand tu fais un truc sur Twitch parce que simplement, j'aurais pas l'argent pour pouvoir le rémunérer décemment et du coup ça se fait même pas de lui proposer un truc, tu vois, bateau, tu vois, enfin ça se fait pas. Et Maxime, qui est grand seigneur, qui vient sans même faire une simple allusion de quoi que ce soit. C'est voilà, c'est Maxime, c'est la classe, si tu veux.
Donc quand tu as des gens qui a la classe, tu vois, tu... Voilà, il a la classe. Il aura le DVD de Vlad, j'ai envie de dire. Bon, il s'en fout complètement, hein, il va pas le regarder, mais il l'aura. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais oui, je rémunère certains intervenants, même la plupart, quasiment tous, mais pas Maxime, parce que simplement, il n'y a pas de possibilité de le rémunérer, et du coup, il vient par plaisir. Il s'emballait complètement du DVD, ouais, c'était beau. Vlad, il ne fait rien gratuit, faut le savoir. Non, Vlad, il fait beaucoup de trucs gratuits, mais Vlad, du coup, je peux me le permettre de le rémunérer un tarif éco plus. Et Maxime Lagarde, c'était sur la chaîne Chess.com France, Playléen. Donc sur la chaîne Chess.com France, c'est pas moi qui rémunère les intervenants, c'est Chess.com. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais du coup, c'est pas sur ma chaîne perso. Faut vraiment séparer les deux. Faut vraiment séparer les deux. La chaîne perso, c'est la chaîne perso. Et la chaîne pas perso, c'est la chaîne pas perso. Donc, et en tout cas, merci à Maxime. Donc, on va suivre la fin de cette partie. Et du coup, pour les gens qui ont suivi l'intervention de Maxime en rediffusion sur YouTube, parce que je mettrai ça en rediffusion, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu ou pas. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on vous demande si ça vous a plu ou pas, parce que soit ça vous a plu, soit on s'en fout, j'ai envie de dire. Mais donc, on va suivre cette fin de partie. Donc, Maxime, qui nous a bien expliqué la chose importante de la position, c'est que le fou A1 a du mal à rentrer en jeu. En fait, si le fou était en D2, par exemple, ça irait, plus ou moins en tout cas. Mais le fou A1, il va lui falloir 1, 2, 3, 3 coups, on va dire, pour revenir. Et donc il est en difficulté. Mais il va falloir que Gary, avec peu de temps à la pendule, il a 2 minutes 30, réussissent à mettre en danger Fabiano. Donc est-ce que c'est par du tour F6, tour H6, dame H3 pour attaquer le roi? Est-ce que c'est par du tour E8, E4 pour percer au centre? Est-ce que c'est par du tour G8, fou G5 même, suivi de E4 pour essayer d'échanger le fou contre le cavalier et jouer pour la supériorité du cavalier sur le fou? Tout ça va être à Gary de décider, de trouver. Tamili qui dit qu'il veut cavalier E4, F3, je pense. Donc en gros, sur fou G5, Fabibi qui pense qu'il veut cavalier E4, cavalier prend E4. Bon, on peut peut-être même prendre de la dame, hein, je ne sais pas ce qu'en pense Fab. On peut prendre du pion aussi, mettre la tour en D3, le pion en F3, la dame en E2, et faire nul en couvrant tout. Donc il veut faire une forteresse, et c'est à Gary de trouver quoi faire. Donc fou G5, cavalier E4 joué. Prise en E4, il reprend de la dame. Et puis on prend E4. Et alors qu'on me demande si c'est de la Peut-être comme pédagogie, ça, je ne sais pas. il va avoir le droit à l'appel de la part du président de la Russie. Et Eric Viswana Nakamura qui dit, boum, c'est qui le patron? x12 des gens ici. C'est 12 mois d'abonnement. C'est son 12e mois d'abonnement. Écoute, bravo à toi. Hein. Franchement, 12 mois d'abonnement. Un an d'abonnement, ça se fête. Ouais, ça va juste faire drôle sans histoire. Et en ce qui concerne les parties pédagogiques, je sais pas, on verra, mais quand tu viens d'avoir une intervention de MVL comme ça, en mode je viens. Enfin, tu vois, je veux dire par là, au bout d'un moment, le titre c'était le bon. Mais est-ce que tu dis à Maxime, non, je ne veux pas te voir, nous faisons des parties contre les 1100, 1300? Ou est-ce que tu te dis, il y a Maxime va chez la grave, j'écoute un peu le numéro 1 français. Forcément, ça change un petit peu les plans. Ah, est-ce que je peux remettre les évals? On peut mettre un petit coup d'éval, mais on n'en a pas forcément toujours besoin. Donc, H5, et oui, il va y avoir H4, F3, Roi G2, Tour D3, et ça va faire une nulle sans histoire, comme le dit Fab. Il va pas y avoir. Il va pas, il va, il y aura rien, quoi. Il ne va pas y avoir d'étincelle dans cette partie. Il va pas avoir le temps de faire fou B2, fou C1. Enfin, il va avoir le temps, pardon, de faire fou B2, fou C1. Et Gary qui ne devrait pas pouvoir percer, même s'il a un pion passé protégé, c'est pas passable.
Même avec son pion en D. Mais le truc, c'est que le pion en D, tu vas jamais mettre la marche avant. Quand tu feras tour D8, on fera tour D3, on va le bloquer. C'est pour ça que l'ordi donne un avantage noir. C'est parce qu'il donne un bonus pour le pion D4. Mais il voit pas forcément qu'il y a une forteresse et qu'il va pas y avoir moyen de percer. En tout cas, normalement. Il lui dit dommage que Gary joue lentement. Il aurait pu, il pourrait gagner. Ouais, mais bon. Comme tu vois, tout n'est pas si facile. Même en jouant lentement, il réussit pas vraiment Peut-être à comme prendre le ça, dessus. il va avoir le droit à l'appel de la part du président de la Russie. Et merci à Chanclissou qui nous écrit abonnez-vous. Merci tonton. Son troisième mois d'abonnement, donc deuxième mois consécutif. Merci Chanclissou. Bonne soirée Fab. Et donc ouais, tour D3. Qui risque d'arriver incessamment sous peu. Alors il a commencé par fou B2, tour à F8. Bon là du coup ça empêche fou C1 parce qu'il aurait fou prend C1, tour prend C1, tour prend F2, échec. Mais bon, il peut même faire tour D3 et juste attendre comme ça. Hein. Je vois pas comment les noirs percent de toute façon cette muraille blanche. Je vois pas comment tu perces ça. Ça m'a l'air d'être imperçable. On va laisser la partie se terminer, mais il y a, à mon avis, plus vraiment d'histoire. On nous propose fou E3. Ok, mais quand même, tu fais fou E3, je fais F3. Bon, du coup, il fait F3 direct. Et sur fou E3, fou C1. Quand bien même, hein. Après, il peut peut-être tenter de jouer avec G5, H4, mais il y aura G4 au pire. Je pense qu'il y a aucun moyen de percer dans cette position. C'est une forteresse. Bon, Gary qui va encore faire une nulle en étant passé par une bonne position. Fou E3, faut faire gaffe d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait. Non, ça me paraît un peu too much. Mais est-ce qu'on pourrait tenter un truc comme ça? Mais il y aura E2 de toute façon. Tour E1, tour prend F3. Mais je voulais tenter cette idée. Roi H7, il va faire. Est-ce qu'il va faire fou C1 ou pas? Je pense qu'il peut, hein. Je vois pas de contre-indication à fou C1 pour échanger le fou. Et il tentera un truc avec G5, mais ça devrait pas. Fou C1, tour prend C1, on mettra la tour en H1, la tour en D3. Et ça va faire nul. C'est une forteresse. C'est pour ça depuis tout à l'heure que l'ordinateur. Voilà, la nulle est signée. C'est pour ça que l'ordinateur depuis tout à l'heure pensait qu'il était mieux. Je vais juste vous montrer un genre fou C1, fou prend, tour prend, roi H6, même admettons, tour D3, G5, prise, prise, tour H1, on va mettre la tour en H4. Et de toute façon, il n'y a pas de percée possible pour les noirs. Donc joli nul, finalement.